présenter un programme de musique religieuse de Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, c'est un compositeur italien de la période baroque, 18e siècle, un contemporain de Handel, de Bach et les autres compositeurs très connus. Il est le plus connu pour ses sonates pour clavecin. Il a composé plus de 500 sonates et se sont jouées partout par les pianistes, par les clavecinistes et tout. Mais peu de gens savent qu'il a aussi composé de la musique religieuse, qu'il est très intense. Et il a composé des œuvres religieuses dans des styles différents. Ça veut dire qu'il y avait le style ancien, dans le style polyphonique, il y a le style baroque, c'est le Stabat Mater qui est très expressif, très rhétorique. Et il y a le style vénitien des doubles chœurs, et pour ça on a pris le Te Deum à double chœur. Et comme ça on a présenté trois, et avec les sonates, quatre faces différentes de Domenico Scarlatti qui sont un peu méconnues des facettes de sa composition. Thank you.
endroit formidable pour chanter. L'acoustique, c'est vraiment très comparable à des églises italiennes et aussi comme Scarlatti qui a travaillé non seulement en Italie mais aussi en Portugal, Lissabon et puis au cours du roi d'Espagne. Et là, les églises étaient très grandes aussi. Et ici, c'est sur le plan d'acoustique vraiment très semblable à comme ça a sonné dans le temps. Et le public est très chaleureux. Je pense qu'ils vont être ravis de faire connaissance avec ces œuvres qu'ils n'ont pas du tout connues, mais qui sont des chefs-d'œuvre, je pense.